ils discutent avec les Russes. Donc on a un contrat via notre agent avec Atomflot, donc la flotte de brise-glace russe, qui est exactement le même que le contrat de l'autre petit bateau océanographique. Donc en fait on aura les mêmes services que lui au moment où on pourra en avoir. Le petit bateau océanographique a une classe glace qui est inférieure à la nôtre. Donc si tu veux, y en a un qui doit passer, y a pas de raison que ce soit plus lui que nous. Donc l'argument comme quoi on pourrait pas suivre un brise-glace, nous, tient pas si eux passent, quoi. Si eux ont une info comme quoi ils vont passer quand ça sera leur tour, quoi. Donc ça discute. Apparemment tous les gens importants sont touchés, quoi. Donc il attend un retour. Mais on en est là, quoi. Donc, et je lui ai dit donc, que le Yamal arrivait là. Donc il avait mis à peu près 36 heures à aller chercher un bateau. Donc, c'est-à-dire à faire un sens à vide et donc à 15-17 nœuds et l'autre sens à 10-11 nœuds. Donc dans 36 heures, si ça se trouve, c'est notre tour, quoi.